C'est un feuilleton, un mauvais feuilleton qui n'en finit pas sur fond de chantage politique à la sextape impliquant directement le maire de Saint-Etienne, l'ex-LR Gaël Perdriau. Salut Antione. Salut. Antione Rouget du pôle enquête de Mediapart. Depuis le mois d'août, ça fait plusieurs mois, tu documentes cette affaire. Avant de parler de tes nouvelles révélations qu'on peut lire en ce moment même sur Mediapart, on va faire, si tu veux bien, un rapide résumé de ce que tu as révélé l'été dernier, cette vaste opération de chantage politique dans une des plus grandes villes de France. Oui, alors c'est un piège qui a été tendu à partir de 2015. En tout cas, il a été opéré à partir de 2015, mais il a été réfléchi au moment des élections municipales de 2014 et qui visait, pour résumer, à contraindre le premier adjoint de la ville, un centriste du MoDem, qui s'appelle Gilles Artigue, et qui avait été contraint de rallier le maire élu en 2014, donc Gaël Perdriau, qui était à l'époque UMP et puis LR. Mmh. Donc ce sont deux alliés politiques au sein de la même majorité, mais ce sont aussi deux rivaux. Et Gaël Perdriau a toujours craint que Gilles Artigue s'émancipe et puisse éventuellement se présenter contre lui, notamment aux élections municipales suivantes. Et donc, à partir de 2014 et en 2015, un piège a été réalisé contre Gilles Artigue. Et l'objet de ce piège, c'était de le filmer alors qu'il n'était pas au courant, donc à son insu, dans une chambre d'hôtel à Paris avec un escort boy. Alors que Gilles Artigue est père de famille, hétérosexuel revendiqué et catholique conservateur. Ce chantage, Antione, on va peut-être regarder ces acteurs, ces auteurs présumés. On les voit ici. On va commencer par le maire, Gaël Perdriau. C'est celui qu'on voit à gauche là-haut. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Alors Gaël Perdriau, c'est donc le maire de Saint-Etienne depuis 2014, le président de la métropole, et c'est quelqu'un qui, en 2022, avait des ambitions gouvernementales. Il pensait, et notamment son entourage, préparer une arrivée et, au sein d'un possible gouvernement d'Emmanuel Macron après la présidentielle. Donc il faisait partie des LR qui voulaient rallier Emmanuel Macron, un jeune élu assez ambitieux qui commençait à prendre de la place sur la scène nationale et qui, depuis nos révélations en août 2022, a beaucoup varié dans son système de défense. D'abord, il a expliqué publiquement qu'il n'était absolument au courant de rien, et au gré de nos révélations, de différents, notamment enregistrements, de réunions, etc., il a été obligé de reconnaître un certain nombre de faits. Et parmi les faits que nous avons pu établir, c'est que Gaël Perdriau était à minima au courant de la vidéo et qu'il l'a utilisée contre son premier adjoint pour le menacer. Il y a aussi son directeur de cabinet, donc le directeur de cabinet du maire, Pierre Gauthiery. On va voir une photo. Donc lui, c'est son fidèle bras droit, il est plus âgé que lui, et c'est quelqu'un qui se vit un petit peu comme un Machiavel des temps modernes, un homme de l'ombre qui passe son temps à élaborer des coups de billard à 17 bandes, etc. Et c'est donc lui, il est clairement un acteur aussi important du dossier. Dans des enregistrements, on l'entend également menacer en des termes extrêmement explicites Gilles Artigue de divulguer la vidéo s'il ne se conforme pas finalement au schéma élaboré par le maire de Saint-Etienne, et il a été mis en examen, comme Gaël Perdriau d'ailleurs, pour chantage dans cette affaire. Et il a quitté son poste. Il a été contraint de quitter la mairie, mais licencié, non pas pour faute grave, mais pour perte de confiance par Gaël Perdriau, ce qui lui permet de toucher environ 40 000 euros d'indemnité, donc d'argent public. D'accord. Rapidement, deux autres personnages. Samy Caffi-Jérôme, lui, c'est l'homme qui a organisé le piège. Donc c'est l'adjoint à l'éducation de la mairie de Saint-Etienne, qui a été lui aussi contraint de partir à la suite de nos révélations. Il a démissionné. C'est à la fois un proche de Gilles Artigue en 2014-2015 et aussi un proche de Gaël Perdriau, quelqu'un de très ambitieux, beaucoup plus jeune que Gilles Artigue, et qui était membre du même parti. Et c'est lui qui l'a invité à Paris, qui l'a invité dans la chambre d'hôtel et qui a fait venir l'escorte et qui a caché et dissimulé une caméra dans la chambre d'hôtel. Et puis un dernier homme, Gilles Rossari, l'anglais. Donc c'est le compagnon de l'époque de Samy Caffi-Jérôme. C'est un acteur beaucoup moins connu parce qu'il n'a pas de mandat public, mais c'est un acteur clé de cette affaire, notamment parce qu'il a supervisé les opérations en 2014-2015, mais surtout parce qu'à partir de 2022, il a décidé de raconter publiquement les choses, parce qu'il a été lâché par les trois autres, et notamment au moment où il réclamait
un poste à la mairie de Saint-Étienne. Il a considéré que les propositions qui lui étaient faites n'étaient pas suffisantes, et donc à ce moment-là, il a décidé de raconter en détail ce qui s'était passé. Alors, on va voir la violence de tout ça. Cette enquête, elle s'appuie sur de nombreux enregistrements, tu l'as dit, qu'on a déjà diffusés sur Mediapart. On entend clairement les proches du maire, et parfois le maire, exercer ce chantage sur Gilles Artigue, par exemple, 27 novembre 2017, dans le bureau même de Gaël Perdriau, le maire, en sa présence. Il y a aussi son directeur de cabinet, Pierre Gauthiery. Gilles Artigue est indigné, puis arrivent les menaces. Vous trouvez que c'est normal de filmer les gens comme ça? Pas du tout. Pour s'en servir pour... En revanche, on m'a fait parvenir un film très édifiant qui dure pas longtemps. Oui, c'est ça. Et ce film, oui, ben justement, et ben utilisez-le, ce film. Ah, et... mais Gilles, je vous l'ai déjà dit. Alors là, si le fait que j'aille en tôle vous fait tomber parce que vous passez pour une vieille mais pédale sur le retour... j'en ai pas du tout envie de vous aller en tôle. J'ai dit respectez-moi. Respectez-moi. Si je vais poser mon dossier au procureur de la République, allez-y. Vous serez en garde à vue le soir même. Et vous croyez que ça m'intéresse, moi? J'en ai absolument rien. Si vous faites ça... Eh ben, quoi? Si vous faites ça, oui. L'ensemble des parents... Des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants recevront une copie du film. Mais c'est perdant-perdant pour tout le monde, je suis d'accord. Et je pense, pense que vos enfants s'en remettront pas. 5 ans plus tard, en 2022, Gaël Perdriau déclare que si les images de la vidéo venaient à sortir, cela détruirait Gilles Artigue. La première victime, ce sera lui, parce que, quelque part, sauf que une fois que les choses sont sur la table, il est mort. Même s'il est pour rien, il est mort. Antoine, malgré ces dénégations, tu l'as dit, insistantes et permanentes, Gaël Perdriau savait. Oui, il savait, il a menti en fait à plusieurs reprises, et depuis août 2022, en fait, il n'a eu de cesse que d'adapter son discours au fait que nous révélions. Il courait après les faits. Donc si on reprend l'ensemble de ses déclarations, en fait, c'est un mouvement permanent vers la vérité, finalement, parce qu'à chaque nouvel enregistrement, d'abord prouvant que oui, il était au courant que la vidéo, oui, il l'a utilisée contre son adjoint, oui, il a menacé son premier adjoint. Et donc à chaque fois, il a été contraint un petit peu d'admettre les choses, mais il reste droit dans ses bottes, en fonction à la mairie. L'ensemble des autres protagonistes ont été démis de leurs fonctions, licenciés, etc. Et lui, il continue à tenir la ville, pensant que sa position, malgré sa mise en examen, est tenable. Alors, à la suite de tes révélations, une enquête judiciaire a été ouverte, le maire a été mis en examen, et comme tu le révèles en ce moment même sur Mediapart, l'enquête, elle a apporté de nouveaux éléments. Le premier, notamment, une nouvelle vidéo qui apporte de nouvelles preuves. Oui, c'est une très grosse surprise pour nous, parce que déjà, le dossier était déjà très, très avancé. Des enregistrements, c'est quand même assez exceptionnel dans une affaire comme ça, qu'on ne soit pas justement sur du parole contre parole, mais il y a des vidéos, des enregistrements, donc les choses étaient déjà très consolidées. Et là, on s'est rendu compte que dans l'enquête judiciaire, les policiers en perquisition ont en plus trouvé de nouvelles choses, notamment une vidéo assez spectaculaire, accablante, tournée en septembre 2016, donc 18 mois après le chantage, après la sextape dans la chambre d'hôtel. Samy Kéfi-Jérôme, donc la personne qui a filmé à son insu Gilles Artigue, le convoque et lui raconte en détail ce qu'il a fait, le fait qu'il l'a piégé, il lui montre la vidéo, etc. Et donc il a lui-même filmé finalement le début de l'opération de chantage et le caractère politique. Il lui dit à partir de maintenant, ça s'appelle une laisse, une assurance vie politique, et donc maintenant tu vas te conformer exactement à ce dont j'ai envie et à ma propre ambition politique. Donc aux prochaines élections, tu ne te présenteras pas, etc. C'est vraiment une liste de courses. Et donc cette vidéo a été retrouvée par les policiers en perquisition. Le deuxième élément, publié ce matin, je crois, c'est de nouvelles révélations sur d'étranges circuits financiers en lien avec cette affaire. En fait, c'est le volet du financement de l'opération. Ce qui explique depuis le début Gilles Rossary-Langlais, c'est qu'il ne l'a pas fait simplement pour faire plaisir à Gaël Perdriau et Pierre Gauthiery, donc son directeur de cabinet, mais qu'il a monté et organisé cette opération avec son conjoint de l'époque en échange d'un financement d'argent sonnant et trébuchant. Et il avait raconté que cet argent avait été versé au moyen de subventions municipales. La police et les juges d'instruction chargés de ce dossier ont travaillé sur cette piste et ont effectivement pu remonter la piste et les circuits financiers de deux subventions qui ont été versées en 2014, fin 2014 et à l'été 2015, de 20 000 euros chacune à deux associations qui étaient totalement inconnues des fonctionnaires et des élus de la ville, pour des missions très très opaques, pour des montants complètement anormaux,
en passant par des circuits de décision totalement inhabituels. Et cet argent, après avoir été reversé, distribué par forme de subvention aux associations, a été entièrement reversé au couple Rossary-Langlais, Kefi Jérôme. Comme finalement, tu l'avais assez tôt écrit dans Mediapart. Il y a deux autres volets qui vont suivre dans les prochaines heures sur Mediapart. De quoi sera-t-il question ? L'idée pour nous, c'est vraiment de... Là, on a assumé le côté feuilleton parce que ça déborde et il y a beaucoup d'axes dans cette enquête. Et pour nous, c'est important de la déplier parce que c'est bien au-delà en fait, de Saint-Étienne, de sa métropole. Il y a 400 000 habitants. Mais en fait, c'est aussi un sujet sur des mœurs politiques qui devraient interroger nationalement le prochain volet, donc demain, vendredi, c'est vraiment sur la dimension homophobe de cette affaire. Peut-être qu'on n'insiste pas assez d'ailleurs là-dessus. Il y a dans les enregistrements qu'on a déjà révélés, il y a évidemment l'homophobie de cette affaire transparée. Mais là, en plus, on révèle demain l'audition de l'escorte qui a été filmée aussi à son insu et qui est une autre victime en fait, de cette affaire dont on ne parle jamais parce qu'il n'est pas stéphanois, il n'est pas dans le Marigot. Il n'est pas impliqué politiquement, il ne veut pas apparaître publiquement, mais il a été auditionné, il est évidemment victime de cette affaire aussi. Il explique qu'en tant que travailleur du sexe, lui, il s'attendait à pouvoir être menacé, agressé, etc., mais jamais à être utilisé comme objet de chantage contre une autre personne. Donc il est extrêmement blessé parce qu'il a appris 8 ans plus tard. Et on révèle aussi des écoutes téléphoniques de l'entourage de Gaël Perdriau et de son directeur de cabinet qui sont absolument stupéfaits par le niveau d'homophobie qu'il y a au milieu de cette affaire. D'accord. Donc de l'homophobie exprimée par certains des acteurs de cette affaire, c'est ça ? Oui, et puis que conteste et déplore leur entourage proche, leurs amis, voilà. Et donc ça, c'est le deuxième volet. On verra ça demain. Voilà. Et donc un autre volet ? Samedi, c'est la fin de cette série des découvertes de l'enquête judiciaire qui montre aussi à quel point les méthodes du binôme Gaël Perdriau-Pierre Gauthiéry en fait, ont été bien au-delà du cas de Gilles Artigue, mais aussi on rejaillit sur toute une mairie, toute une ville et une administration, parce que il y a plus de 3000 fonctionnaires à la mairie de Saint-Étienne et évidemment il y a des gens aussi qui souffrent de ces méthodes de management bien au-delà du chantage à la sextape. Merci beaucoup Antione pour lire tes enquêtes, donc il faut être abonné à Mediapart, donc si vous le pouvez, abonnez-vous.